Bonjour à tous, et nous revoilà sur la chaîne de Puce. Je suis Manamax et je serai votre joueur aujourd'hui. Aujourd'hui donc, on est soit mardi, soit mercredi, et je vais changer de jeu donc du Doctor Who, comme j'ai dit, et pour aujourd'hui c'est Tiny Barbarian DX. Et donc, j'aimerais savoir, non je peux pas. Alors, X pour attaquer, et Z pour sauter. Oh, c'est dégueulasse. Échappe pole. Je vais voir si je peux pas utiliser la manette de Xbox parce que c'est dégueulasse comme commande. Donc, qu'est-ce que Tiny Barbarian DX? C'est un jeu de plateforme en développement qui est pas fini évidemment. Ah, mais oui, mais forcément, il y a un tuto à la con. Et je kiffe ce genre de jeu de plateforme. Dégage! Alors, le jeu ne commence pas comme ça, ça c'est juste une espèce de tuto, et en fait, voilà, je meurs, et là t'as le jeu qui commence. C'est un petit bonus. Voilà, c'est Versus the Horn, en fait, où tu restes là, il faut tenir le plus longtemps. Oh la musique! Oh, je sens que je vais me faire plaisir, et je peux vraiment pas utiliser la manette. Je regarde si je peux pas parce que... Ah! Gamepad. Me revoilà. Et quand je dis me revoilà, c'est pas de la petite pause où je suis allé rebrancher mon micro. Mais pire, c'est que je viens d'enregistrer... Enfin, je viens de... faire le début. Et... voilà. J'ai déjà fait le début, je viens de faire jusqu'au premier boss la partie. Mais je me suis rendu compte que ça n'avait pas enregistré. C'est génial, ça me fait plaisir. Mais le jeu est... C'est quoi ça? Non! Non! Non, bah non. Oui. Mais le jeu est tellement bien que je vais vous la refaire pour vous la représenter. Ça ira plus vite au moins, parce que la partie d'avant était peut-être un peu longue. Donc, ça ira plus vite. Et c'est parti, je vais vous présenter ce jeu qui est génial. Déjà, rien qu'au début, au commencement, ça, si ça ne vous dit rien, vous avez un souci dedans la tête. Poulet tout cuit. Et il devient super barbare. Donc c'est juste un petit jeu bien sympa avec une musique qui déchire sa race, sa maman. Le petit barbare. Tiny Barbarian. Et donc qui doit, pour l'instant je sais pas trop l'histoire, je sais juste que voilà, il en s'est retrouvé là, puis bon bah on n'a pas le choix, c'est tu vas à gauche, tu vas à droite. Et dans les mondes, il y a des blocs comme celui qui est là, juste à côté de moi, qui... Oh, il se casse. Bon là il y a des sous, mais en général c'est des diamants dedans. Donc vous étonnez pas entre là et le premier boss, si j'ai pas d'achievement ou de trucs comme ça, vous dites ouais, il a déjà fait, il connaît déjà le jeu. Oui, je viens de le faire, je viens de l'enregistrer, et je me sens dégoûté. Parce que j'aime bien. Donc vous aurez pas la surprise jusqu'au premier boss. Mais après, par contre, je connais pas. Si vous voyez des blocs avec des trucs, même si l'épisode est pas assez, je veux bien que vous me préveniez. Parce que moi derrière, je sais que je vais le refaire pour le faire 100%, je pense. Il y a de fortes chances. Il y a de fortes chances que je le tente à 100%. Et il est vraiment sympa ce jeu, j'aime beaucoup. Petit coup de cœur sur ce jeu. Oh là là! Parce que l'ambiance est géniale. Contrôlabilité. Il y a qu'un truc, c'est là, voilà, il y a que deux boutons, sauter, attaquer et bien sûr bouger. Et on peut faire une ah voilà. Si on a le bon timing. Voilà, il y a ça et il y a voilà, celle-là. Vous avez de la chance, j'ai réussi à vous la faire du premier coup. Parce qu'elle est assez dure à placer, faut faire un trip.
un truc. Elle est assez compliquée à faire celle-là. De d'attaque. Tout tout tout. Donc oui, les poulets, ça redonne la vie. En haut, vous voyez que j'ai 6 petits carreaux. C'est ma vie. Hop. Ah, la musique. Check. Et là-haut, il y a un petit secret. Un diamant. Normalement, vu la difficulté d'y aller, j'espère que c'est un diamant. Je sais que je l'ai fait juste avant, mais je m'en rappelle déjà plus. Je pense que c'est un diamant. Je vais vous le faire, je l'ai fait. Je l'ai fait, je viens de le faire. Allez! Ah. Ah. Ça va prendre un petit peu de temps, mais je le ferai. Non! Oh, dans les pics. Non, cette fois, je l'ai vu à 3 km que j'avais raté. Mais j'y suis allé mais quasiment du premier coup tout à l'heure, c'est ça qui m'embête. Bon, pas du premier coup non plus, faut pas abuser, je suis pas... Oui! Voilà, c'est ce genre de diamant qui faut que je récupère. Alors toi, tu m'auras pas. Là en bas, il y a du poulet. Faut juste leur donner un coup, c'est pas obligé de les tuer les... Vas-y, tire. Ah! J'ai pas eu de dégâts de chute, mais souvent dans ce genre de jeu, il y en a pas spécialement. Oh, ah ouais, j'avais fait un joli truc tout à l'heure, c'est dommage. Alors, toi, ramène-toi. Parce que, sérieux, tu vas pas me gonfler bien longtemps. Salaud. Des petits sous. Ça m'annonce la couleur. Aïe! Oui, vous dites, mais il vient de le faire. Il doit savoir par cœur. Ouais, bah non, parce que. Il y a un autre endroit un peu plus loin qui ressemble. Diamant. Je sais pas combien il y a de diamants par monde. Ah putain de piaf à la con. C'est horrible ces piaf. Poulet. Poulet. Ah les gnomes. Les gnomes c'est comme tous les gnomes de tous les jeux. Il file des trucs. Bon, tout à l'heure, je l'ai tapé jusqu'à ce qu'il bouge plus. Et ça m'a fait un petit achievement. Taper un gnome jusqu'à le rendre inconscient. Mais après, il s'est réveillé, il m'a déboîté. Mais... Hop, hop. Oui, je me rappelle qu'à cette partie-là, je vous parlais. Donc, c'est un platformer. Je kiffe les jeux platformer. Et il me rappelle beaucoup du... Dans le style 8-bit, surtout, du... Enfin, pas 8 bits simpliste, je sais pas si on peut appeler ça du 8 bits,
Niveau couleur, ça a l'air. Niveau musique, ça a l'air. Et donc oui, il me rappelle du Shovel Knight. Et je vous ai dit, vous connaissez ce jeu, KX vous a fait une vidéo dessus. Oh le salon. KX vous a fait une vidéo dessus et je pense pas qu'il va en faire d'autres dessus. Il me l'a dit. Il m'a dit qu'il avait pas kiffé ça et moi je lui ai dit ah, moi j'aime bien, j'adore. Il fait bah vas-y fais-le. Sauf que je n'ai pas le jeu donc. Je ne vous le ferai pas tant que je ne l'ai pas, mais il n'est pas impossible que je l'achète. Donc quand il aura une promo ou un truc. Oh les avions, eux ils me rappellent vachement les. Le peuple oiseau dans. Starbound. Ah merde, c'était lui qu'il fallait taper. Ah, crevé, crevure! La musique est vraiment bien. Ah! Ce passage, j'ai mis pas mal de temps tout à l'heure à le faire. Mais maintenant que je le connais, du coup, c'est plus rapide. Là, voilà. On a 10 minutes ici. Tout à l'heure, j'en étais à 20 minutes. Enfin, j'ai mis 20 minutes de vidéo, quoi. Alors que le boss est pas lent maintenant. L'autre qui va revenir tant que je l'ai pas tapé une fois. Oh putain. Bim. Crève, saloperie. Allez, combien de rebonds? Ah, je suis sûr, il y a un achievement pour nombre de rebonds. Piaf, je me rappelle de toi. Et tu reviendras pas. Hop, petit sou. Et là, c'est là que ça devient un petit peu dur parce qu'il y a lui et juste derrière son compère. Et juste derrière lui, le compère de celui-là. Aïe, je regardais l'autre en bas se faire défoncer. Poulet. Poulet. Là, il y en a un autre. Ah. Et là, il y a un petit diamant. Ouais, c'est pas drôle quand on connaît déjà le jeu, mais je vous ai dit, je connais que jusqu'au boss. Et tout à l'heure, au boss, j'ai mis 20 minutes à y aller. Alors que là, je pense que... Voilà, j'ai fait la même connerie que tout à l'heure. Tu prends un poulet et tu t'abîmes en le prenant. Et le boss est... Voilà, le boss est juste là. Tout à l'heure, j'ai fini le boss, ça faisait 20-25 minutes de vidéo. Là, on doit en être dans les 10-11 minutes, donc bon. Aïe. C'est plus facile quand on connaît le jeu. Voilà, j'ai déjà fini le boss. Pour tout vous dire, vraiment, c'est sûr, jusque-là, je connaissais. Je viens à l'instant de le faire. Ah, il m'a poussé dans le... Et donc, tout à l'heure, je m'étais arrêté là. Mais tout à l'heure, j'étais à 20 minutes de vidéo. Et le souci, c'est que là, il y a un checkpoint. Donc, autant recommencer d'ici. Donc, ce sera une petite vidéo, je pense, pour aujourd'hui, de 10 minutes. Mais ne vous inquiétez pas, la prochaine fois, ce sera des mêmes parties, sauf que du coup, ça te mettra plus de temps, vu que... Je viens juste défoncer E3. Aïe! Voilà. Pour aujourd'hui, niveau histoire, c'est fait. Du coup, je vais vous faire un petit versus The Horde, on va voir combien de temps je peux tenir. Pour pas vous priver, parce que j'avais prévu 20 minutes, et ça fait que 10 minutes... Amène-toi, maintenant que je sais jouer. Oh, les... Je crois qu'il faut tenir 2 minutes, un truc. Ah ouais, mais c'est dur. C'est vite dur, en fait. Oh.
Aïe, je l'ai vu arriver de... Aïe. Putain. 39 secondes, c'est tout. Je peux tenir plus. Je peux largement. Tire tes flèches, toi. Jack. Oh, salaud. Mais... c'est quoi ce sniper? Ça, c'est chiant parce que tu fais que lui... Ah, putain, je voulais justement l'esquiver. Oh, casse-toi. Putain, j'ai fait moins que juste avant. Allez. Ah putain, ça c'est... Hop là. Toi, je t'ai vu. Oh, prenez pas vos coups, je vous dirai rien. Ouais, le géant me fait peur. Minute muscle. Oh putain. Je suis pas le fier là. Une minute pile poil. C'était limite. Je vais juste voir si j'ai pas un... y a un achievement 2 minutes il me semble. Ouais. Tenir 2 minutes 2 minutes triceps. Ouais par contre ouais. Ok bon le reste ça a l'air. Voilà. Bon le 2 minutes je le ferai peut-être moi tout seul. Sur ce, voilà, 15 minutes de vidéo, c'est déjà mieux. Et je vous laisse, je vous souhaite une bonne fin de journée, fin d'après-midi. Et n'oubliez pas, la chaîne de plus, mais pas forcément la chaîne de trop. Allez, ciao !